va dire la deuxième partie. Vous m'excuserez, j'ai eu un petit bug. Donc du coup, je reprends avec vous. Donc ça sera la deuxième partie de mes trois recettes pour Thanksgiving. Donc voilà, j'ai fini. J'ai mis du jaune d'œuf et fait une petite cheminée. Et donc je vais mettre au four. Je vous dirai ensuite combien de temps ça a cuit. Mon pain de viande, la cuisson est pratiquement terminée. Je suis à 50 minutes. Et donc après, je vais préparer, de toute façon on voit bien, une purée de patates douces avec quelques pommes de terre. Et ensuite, je vous présente tout ça. Voilà, je viens de sortir mon pain de viande. Donc voilà, je vais laisser bien 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 refroidir. Chicken pie au four. Je vais préparer la purée de patates douces avec des pommes de terre. Et une fois que tout sera fini, je vous présente ça. Alors, le pain de viande est prêt. Donc, je l'ai retourné, j'ai mis sur un plat. Je vais mettre un petit peu de ketchup par-dessus. La chicken pie est au four et la purée de patates douces pommes de terre est en train de cuire. Donc, je reviens tout à l'heure avec vous une fois que tout sera prêt et ensuite la présentation. Alors, je viens de sortir la chicken pie. Elle est très très chaude. Donc, la voici. Donc, je vais vraiment la laisser refroidir pour ensuite faire la présentation. Et donc, le pain de viande. La purée de patates douces n'est pas finie. Elle est encore en train de cuire. Donc, une fois qu'elle va être finie, je vais la préparer. Et puis après, je reviens vraiment vers vous pour la fin, la présentation. Ça y est. Maintenant, je vais m'occuper de passer ma purée. Ensuite, lorsque tous les légumes seront passés, je vais mettre un petit morceau de beurre, une grosse cuillère de crème fraîche, un jaune d'œuf, du poivre, du sel, et ensuite dégustation avec vous. Voilà, c'est prêt. Donc voilà, voici la petite présentation du jour. Donc il y a le pain de viande, chicken pie, petite purée de patates douces, un petit peu de ketchup si on veut en rajouter avec le pain de viande. Donc voilà, je vais vous faire voir. C'est encore très très chaud, donc je vais quand même prendre ceci. Si j'arrive à prendre comme je le souhaite. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Donc voilà pour la chicken pie. Donc je vais goûter avec vous. Alors on va commencer par la petite purée. Patate douce, un petit goût sucré, un petit peu sucré. C'est pas désagréable pour ceux qui aiment. Alors, je remets un petit peu de ketchup. Bon, là, j'ai quand même pas, elle est très très chaude, donc on va voir. On voit bien les légumes. Délicieux. Franchement, je vous conseille de faire ces trois petites recettes. Vraiment très très bon.
Bon, les Américains, pour Thanksgiving, traditionnellement, c'est la dinde. Donc moi, je n'ai pas fait de dinde, j'ai fait un petit clin d'œil. Que vous dire d'autre que, bon, bah, il y a beaucoup d'autres choses hein, dans le menu de Thanksgiving. Il y a aussi les sauces. Il y a les sauces, la sauce au cranberry, les patates douces en frites, tarte aux noix de pécan, tarte à la citrouille, cheesecake, enfin il y a énormément de choses. Donc après, mais traditionnellement, la dinde. La dinde, c'est sûr et certain. Et puis après, ben, ils rajoutent ce qu'ils veulent dans leur menu. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choix. Donc, moi, j'ai choisi ceci pour faire un petit clin d'œil. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, c'est très très bon, je vous le conseille de faire ces trois recettes. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt les loulous. Bye!